on est canier en fait, fabricant de cannes et canier. Pour faire les cannes et les bâtons en châtaignier, on va utiliser que la première année de pousse, que les 1 an. C'est-à-dire que les 1 an, on va utiliser cette partie-là, jusqu'ici, jusqu'au jarret. Toute cette partie-là sera utilisée pour faire les cannes et les bâtons, et toute la deuxième année et la troisième année qu'on voit là au sommet, je ne suis pas assez grand, ça va être inexploitable pour nous, donc nous, la partie récupérable, c'est que la première année de pousse. De tout temps, ils ont toujours utilisé les châtaigniers, hein, tout simplement pour sa robustesse, pour sa durabilité dans le temps. Il ne faut pas que ce soit un bois qui soit trop lourd hein, pour pouvoir marcher. Enfin, c'est le bois qui se prête vraiment le mieux à ce travail-là. Et d'autant plus que le bois repoussant tout seul, on n'a pas voilà, de déforestation, on n'a pas à replanter. On attend juste que le bois ait repoussé au bout de 3 ans et on peut retourner réexploiter tout ça depuis plus de 100 ans. Le châtaignier pousse très bien, il n'y a pas de souci, hein, une très bonne croissance. À peu près 2 mètres en 1 an. Après, tout dépend de comment il est exposé au niveau soleil. Là, on est un peu sur un coteau qui est couvert, donc automatiquement, il va chercher un peu plus, il va pousser plus vite pour aller chercher la lumière un peu plus haut. S'il a du soleil, à tout va, bah, il restera un petit peu plus court, il va se limiter sur la première année à peu près 1 mètre, 1 mètre 10 de pouce. Voilà. C'est une période de l'année où j'aime bien me retrouver, puisque bon, on se retrouve un peu en forêt, au calme. Bon, on voit un peu de verdure, un petit peu, ça change un petit peu. Et puis bon, on est en relation directe avec la matière première, avec le bois, avec l'écorce. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est plaisant. Mais là, vu que la sève est montée, elle est passée entre l'écorce et le bois. C'est pour ça qu'on arrive à les écorcer assez facilement, comme ça. Quand les nœuds auront séché, hein, quand ils seront bien durs, on va pouvoir les poncer et on pourra enlever justement les parties qui accrochent. Petit, j'ai chopé le virus parce que voilà, il faut que mon grand-père m'apprenne des choses. C'est lui qui m'a formé pour le redressage, comment travailler le bois, selon le bois, s'il est veiné, s'il n'est pas veiné, on ne le travaillera pas de la même façon. C'est toutes des choses qu'il m'a appris. Et puis vers l'âge de 14 ans, j'ai commencé un peu plus à bosser avec mon père, qui m'a vraiment appris le métier, voilà. Donc c'est une transmission qui se passe de père en fils depuis déjà 6 générations, hein. Moi je suis la 6e, donc une maison qui existe depuis 1898, donc plus de 100 ans maintenant, et on continue à perpétuer ce savoir-faire. Dès que je rentrais de l'école étant fils unique, j'allais jouer tout le temps avec les ouvriers, j'étais toujours dans les ateliers, que je me faisais bien assez secoué parce qu'il fallait pas que je les embête. C'est vrai que j'ai vraiment toujours été dans l'usine et j'ai joué avec un peu tous les outils et tout le matériel qu'on avait ici à l'usine. Je regarde là où je vais faire mes points d'appui en fait, là où il va falloir redresser. Donc là la courbe est concave dans ce sens-là, donc je vais appuyer plusieurs fois à plusieurs endroits. Ça sert à rien d'appuyer une seule fois un endroit, il vaut mieux l'assouplir sur plein d'endroits et après le mettre en forme. Pour savoir redresser correctement sans trop casser, il faut faire minimum 2 ans de dressage. Ah, bah voilà, ça arrive que ça casse. Celui-ci, eh ben, il partira en chute de bois. Ah, Félix ! Donc on ponce tous les nœuds sans poncer tout le bois. Il faut garder cet épiderme, c'est ce qui fait que le châtaignier va durer dans le temps. Voilà. Donc on pense vraiment que la partie noueuse, toutes les parties qui accrochent à la main. Il n'y a pas de processus qui est mécanisé au niveau des cannes et des bâtons. Voilà. Donc la main interviendra sur toutes les opérations. Donc après voilà, il y a des opérations où il faut un peu plus de poigne, comme au niveau du lavage, pour enlever le tamin qui reste sur le bois, et puis on enlève aussi la saleté qui s'est collée due au temps de stockage. J'adorais toucher ces bouts de bois étant petit, hein, c'est vrai qu'on a une matière qui est très lisse, très douce. Le vernis en séchant va se matifier, donc après on a une très bonne protection dans le temps au niveau du vernis. Si après il est bien utilisé, un bâton, vous pouvez le garder 10, 20 ans, il n'y a pas de souci, voire même plus de 20 ans. Il y a des gens qui nous les ramènent. Les cannes ont déjà une trentaine, une quarantaine d'années. Le bâton, j'aime ça, moi. Je continue à aimer ça et je crois que c'est pas prêt de me passer.